Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. On se rend directement en Nike Outlet. Ça fait un moment que j'y suis pas allé depuis la série Un maillot par jour, je pense l'épisode 10. De ce fait, on va aller voir ce qui s'y trouve, histoire de pourquoi pas ajouter un nouveau maillot à la collection. Je conseille souvent à ceux qui sont passionnés de maillot de s'y rendre une fois par mois. Ça fait un peu plus de temps que j'y suis pas allé, donc on va directement aller voir ce qui s'y passe. Allez, on se retrouve directement au magasin. Re, nous voilà partis avec la routine classique, le magasin Nike Outlet de la première zone. Donc on commence toujours par les fringues en sportswear, je regarde un peu ce qui se passe sur les premiers portants. Je me garde les portants contenant des maillots de football pour le reste de la vidéo et pour la fin de la vidéo surtout. Je vois ce premier maillot qui me faisait penser à la collection sortie pour la Corée, à la Coupe du Monde 2018, voire à les maillots sortis pour 2020. Mais finalement ce n'était que des maillots Nike classiques, des maillots du Barça comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Je passe directement au portant contenant les shorts avec souvent des shorts vapeur à moins de 20€. Je ne trouve rien de spécial, mais premier tournant, j'aperçois au loin une personne tenant un maillot vraiment très intéressant. Je vous laisserai voir ce qui s'est passé directement dans la suite de la vidéo. On passe au portant suivant avec ces vestes du Nigeria que j'avais repéré vraiment de très loin. Des vestes du Barça, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Un maillot de l'Australie que j'avais vraiment apprécié, mais uniquement en double XL. Des vestes de l'Angleterre qui sont sympathiques. Un seul maillot du Barça. Des vestes de l'Inter qui sont, ma foi, très jolies. D'autres trainings de l'Angleterre pour 35€, il me semble. Donc, prix cool, mais pas forcément hyper abordable. Et c'est pas vraiment une sélection que je porte dans mon cœur, donc j'ai passé mon tour. On trouve ces maillots de la Chine en taille S. D'autres maillots de la Croatie, comme j'avais pu retrouver lors de ma dernière venue en Nike Outlet. On finit par ces maillots du Barça sans sponsor. Je vous montre le prix, hop, 30€. Très peu de taille, très peu d'exemplaires. Et dernier item important, on a des vestes de Liverpool, une veste du Qatar en grande taille encore une fois, en très peu d'exemplaires. On poursuit avec un autre portant, ce maillot d'Hertha Berlin, maillot d'entraînement, un autre maillot d'entraînement du PSG, à des prix pas forcément très intéressants et très peu de choix. Je vous montre l'emplacement qui contenait les maillots de football la dernière fois, donc plus de rayon foot, remplacé par un magnifique rayon de chaussettes. Je sors avec quelques acquisitions et on se retrouve directement en magasin Adidas. Pour le magasin Adidas, il y avait pas mal de maillots, vous allez le voir. On va commencer par des maillots de l'Olympique Lyonnais, maillot tout ce qu'il y a de plus simple, limite on tirait des maillots d'entraînement et je pense que c'en était... On poursuit avec un maillot d'Arsenal, tout ce qu'il y a de plus simple, un maillot de Manchester United. Et cette fois-ci, c'est les prix qui étaient vraiment pas intéressants parce qu'on avait du maillot à 40, 50, voire 70€. Le maillot away du Real qui a vraiment rien de bien original et c'est vraiment le genre de maillot qu'on retrouve souvent dans ces magasins. Un maillot de la Bosnie, alors désolé, j'aurais dû dézoomer, je pense que la prochaine fois je filmerai avec un grand angle. Le fait est que le maillot de la Bosnie coûtait 30€. Avec des tailles pas forcément très intéressantes non plus. On avait un maillot de l'équipe de France handball, les maillots de l'Allemagne qu'on retrouve toujours dans ces magasins, le maillot du Celtic qui coûtait 50€ il me semble, et on finit par ces ballons de match pour un prix supérieur à 40€, encore une fois pas à la portée de toutes les bourses. Un maillot de la Juve, et pour finir un coupe-vent qui était vraiment très peu épais, qui devait vraiment pas être une veste prévue pour l'hiver. Bon, nous revoilà quelques heures plus tard, je suis rentré des magasins. Comme vous avez pu voir pendant les rushs, d'habitude je vais sur deux zones différentes, à savoir la première zone d'habitude, celle où je vais toujours, donc celle composée du Nike Outlet ainsi que du Adidas Outlet, et une seconde où il y a un Nike Factory. En fait, j'ai pas pris la peine d'y aller parce que j'avais trouvé mon bonheur sur la première zone, et en plus de ça, j'avais pas vraiment de temps et pas vraiment énormément d'argent à dépenser. Donc je suis resté raisonnable et je me suis contenté de ce que j'ai acheté dans les deux premiers magasins. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos, on n'a pas forcément trouvé grand chose en Adidas Outlet comme d'habitude. En fait, les prix sont assez élevés, il y avait pas mal de choix. Bon, on avait les classiques, l'Allemagne qui est toujours là quelle que soit la période. On avait du maillot du Celtic comme la dernière fois il me semble, des maillots de l'OL encore une fois, des maillots d'United. Mais on en avait pour 40, 50, 70€, c'était pas vraiment très intéressant et c'était pas vraiment des maillots que je portais dans mon cœur. Il y avait un maillot de la Bosnie qui sortait vraiment de l'ordinaire, mais malheureusement
Il était encore à 30€, donc avec le flocage, etc., ça serait revenu à pas mal cher. Quitte à me faire plaisir avec un maillot de la Bosnie, je pense en acheter un sur Classic Football Shirts, déjà floqué, voire même badgé, pourquoi pas au nom de Pjanic ou de Dzeko. Là, ça aurait fait pas mal de logistique et un prix pas forcément très intéressant. Quand on voit ce que j'ai récupéré du côté de chez Nike, justement, donc ceux qui me suivent sur Instagram auront déjà eu un aperçu de ce que j'ai acheté, surtout concernant un article, parce que ceux qui suivent la chaîne connaissent mon amour pour cette collection. On n'est pas vraiment dans le maillot de foot. Et là, je pense que vous avez compris, je suis tombé sur cette magnifique veste du Nigeria que je vais vous montrer de suite. Alors une veste vraiment très spéciale qui ne s'allie pas avec tout. Je sais pas vraiment comment je vais la porter, mais j'en parle tellement souvent. Je voulais la récupérer depuis super longtemps. Le fait est qu'il n'y en avait plus vraiment sur le site de Nike et que ça me faisait vraiment chier de dépenser 70€ dans cette veste. Je savais très bien que j'allais pas pouvoir la porter vraiment de manière classe. Donc là je tombe dessus, il y avait que des tailles S malheureusement, donc c'est une nouvelle contrainte. Et ce qui fait que je pense pas pouvoir la porter longtemps. Mais enfin bref, pour traîner et pour le souvenir et surtout pour le fait que l'occasion ne se représentera plus, j'ai quand même tenu à la récupérer. Je la trouvais vraiment épaisse en la tenant dans ma main, mais en fait non, c'est une veste classique, un équipement classique. En tout cas, je regrette déjà pas parce que quel souci du détail sur ces équipements, je la trouve vraiment monstrueuse. Et pour streamer, pour tourner 2-3 vidéos et tout, et surtout pour avoir une veste différente, je trouvais vraiment l'occasion intéressante. Donc 35€ pour le premier item, et le second, je pense que vous avez dû le voir durant les vidéos. Je venais juste d'arriver dans le magasin, et souvent à l'entrée, il y a toujours des portants avec des fringues, des habits normaux. Et il y a un rayon foot bien au loin dans le magasin. Donc pour le plaisir, je garde toujours ça en dernier. Et il n'est pas rare de trouver des maillots par-ci par-là qui ont été éparpillés par les gens, mal rangés. Et je vois un mec tenir un maillot dans sa main. Et je vois de loin que c'est une version joueur. Et je regarde un peu dans le rayon, je retrouve absolument pas les couleurs de ce maillot sur le portant en fait. Je vois pas de maillot similaire dans le rayon. Donc du coup, je vois qu'il est un peu hésitant et tout. Il repose le maillot et dès lors où il repose le maillot, je me suis précipité. Enfin, j'ai pas couru après non plus, mais j'ai attendu qu'il fasse un pas de côté. Histoire que la voie soit libre. Et donc j'ai récupéré ce maillot. Mais c'est ce maillot de l'Inter, taille S, en version ADV, donc en version joueur, vapeur, pour la modique somme de 30€. En plus de cela, sans sponsor, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qui donne un maillot vraiment original, avec des détails vapeur qui sont très jolis, je trouve. Parfois, il est vrai que le motif ne s'incruste pas bien dans le maillot, mais là, je trouve que ça apporte encore quelque chose de plus. En fait, j'ai l'impression que les écailles sont encore mieux mises en valeur avec le motif ADV vapeur. Et donc, ce que je vous disais, pour 30€, en fait, du côté de chez Adidas, t'avais des maillots vraiment de second choix, type Bosnie, etc. Et chez Nike, t'as un Mario version joueur, avec un rabais de 110€. Franchement, les offres ne sont même pas comparables et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et détail marrant, le vendeur qui a récupéré ma commande en caisse m'a dit: mais vous avez trouvé ce maillot en rayon, il en reste? Et donc je lui ai dit que non, j'avais récupéré le dernier et que moi-même j'aurais peut-être pris d'autres exemplaires si jamais il y en avait. Enfin bref, du coup bien content, 65€, un maillot vapeur, une veste que je courtisais depuis bien longtemps et que je ne trouvais plus. Je pense que j'ai bien fait d'aller en Nike Outlet. Et je vous dis, dans le dernier magasin, il n'y a quasiment jamais rien. En plus de ça, j'avais pas le temps. Je garderai ça tout simplement pour la prochaine fois. En tout cas, je pense qu'on va se redonner rendez-vous d'ici un mois pour retourner dans ce Nike Outlet. Je pense que ce genre de maillot arrive vraiment ponctuellement et au compte-gouttes. Donc c'est vraiment la chance. Si jamais j'y étais allé 10 minutes plus tard, j'en aurais jamais vu la couleur. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'il y en ait eu un seul récupéré dans un lot de je ne sais quel Nike, de je ne sais quel endroit. Donc en tout cas, bien content d'avoir pu récupérer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les Nike Outlet ces derniers temps, pas loin de chez vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos maillot. C'était Quentin. Allez, salut !